Les fans de cinéma et de la famille royale britannique peuvent se réjouir, la première bande-annonce de Degré Spencer, plus ou moins être de Wally. Parmi les acteurs qui jouent dans ce biopic centre sur Lady Diana figure Kristen Stewart. Elle y incarne la princesse elle-même. Il est indéniable que Kristen a énormément de talent pour elle, acting. Ainsi, le rôle qu'elle campera dans Spencer lui permettra sans doute de briller et de peut-être être nominée pour la première fois à elle, Oscar de la meilleure actrice. Un biopic sur Lady Di enfin, un avant-garde de Degré Spencer, plus ou moins être de voile pour le plus grand plaisir des cinéphiles. En effet, ce biopic consacre à Lady Diana promet d'être captivant et fait déjà des impatients. Le fait qu'on retrouve du beau monde dans son casting. Kristen Stewart au cinéma Almograph 12 le 7 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. Photo. Getty Images pour ne citer que Sean Harris, Jack Fadding ou encore Kristen Stewart. Cette dernière est celle qui joue le rôle de la princesse Lady Di. Et si le choix a pu interpeller certains, Pablo Larraín, le metteur en scène, lui est convaincu d'avoir fait le bon en la choisissant. Degré Kristen peut être très mystérieuse, très fragile et très forte à la fois, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin, plus ou moins a-t-il notamment expliqué en avril 2020 dans Deadline. Kristen Stewart dans Degré Spencer, plus ou moins. Photo, YouTube, films actu lire aussi. La famille royale révèle ses relations avec le prince Harry. Les internautes attaquent tous ses hooks. Il faut savoir loin être un biopic classique. Degré Spencer, Degré se déroule le temps un week-end au début des années 90. Un week-end où tout a basculé pour la princesse suite à son choix de mettre un terme à son mariage avec le prince Charles. Kristen Stewart dans Degré Spencer, plus ou moins. Photo, YouTube, films actu sur les premières images de la bande-annonce, on peut notamment voir Jack Fadden incarnant le prince Charles, mais aussi Sally Hawkins qui demande à la princesse Diana « Sont-ils au courant de tout ?» En Angleterre comme en Allemagne, le biopic est très attendu. Espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Le D-pad de Meghan et Harry et le choix qu'ont fait Meghan Markle et le prince Harry de quitter la famille royale a créé un véritable scandale. Mais si le fer leur a permis d'échapper à leur train de vie princier, cela a quand même eu ses inconvénients. Découvrez la somme qu'ils ont perdue suite à leur D-pad. Le prince Harry et Meghan Markle. Photo. Getty Images pour ne rien rater de elle, actualite, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.